Bonjour les amis, ici on se retrouve à Liège avec Diana, Laetitia et bien sûr Clarie-Edouane. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode des visiteurs. Ouais. Aujourd'hui on est dans la ville de Liège. On va visiter cette ville, voir s'ils ont des bons plans à partager avec nous. Et bien sûr leur demander s'ils connaissent la ville de Charleroi. Notre ville d'amour. Bon, on regarde sur la carte. Bon, on commence par quoi d'abord? Non, on commence par là. Moi j'irai là. Non, non, je pense que c'est par là. Attends, attends, reviens. Libre como un pájaro, libre como el viento. In fact, this is the most beautiful train station here in Belgium. Como el agua clara, que viaja del monte. Freestyle, final, freestyle. Okay, yo. Mía no pienso ni decir, solo siente. No digo esto siendo, sentir la vida. Mal. Frappe sur les connaissances qui leur permettent de trousser. Ok, yo. Ici, on va en parking Saint-Denis. On va aller sur la place. Gilles. Okay, c'est Lara. Pierre. Hop. Enchanté Gilles. Voilà Gilles, donc Gilles lui par contre il connaît pas trop Charleroi, mais il va nous partager des bons plans. Dis-moi Gilles, qu'est-ce qu'il y a de bon à faire sur Liège? Alors ici à Liège, je peux te proposer par exemple d'aller sur la place Saint-Lambert. Déjà pour les magasins, il y a la biodiversité, il y a plein de parcs, il y a plein de trucs, il y a des bowling partout. On avait vu aussi qu'il y avait un aquarium ici quelque part. Le grand aquarium. C'est un centre commercial ça ou... Non, c'est... Ouais, juste amusé, c'est amusé. Ok. Avec des amis avec qui je joue au foot, ouais. Ils arrivent des fois où on sort pour se distraire un peu. Petites sorties. Mais nous, c'est ça qu'on est venu faire un peu, on est venu voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Nous aussi, on connaît pas trop la ville de Liège, mais on s'est dit, on va venir, on va demander aux gens, comme ça, ils nous partagent un peu leurs plans. Il y a le Carré ici en ville qui est réputé pour sortir, il y a beaucoup de bars. Le Carré. C'est fréquenté par des jeunes, enfin, ouais. Tout aussi, il y a des personnes un peu plus âgées. D'accord. Maintenant, ça dépend ce que tu recherches aussi. Il y a aussi des soirées drum and bass, etc. ici, en ville. Mais il y a un bon festival ici aussi, non? Il y a les Ardentes. Ah oui. Voilà. D'accord. Ardentes, tes amis. Ouais. Et est-ce que tu connais la ville de Charleroi? L'aéroport, t'as pas d'amis qui habitent là-bas, t'as jamais été. La ville de Charleroi, j'ai été au bien deux fois. Bah de non, oui, de quelques trucs, vidéos YouTube, etc. Ah bien sûr, avec Stromae et tout ça, vous avez dit et aussi, le fameux coup de pied retourné là. Non, le juge de Charleroi là. Ah oui, monsieur, vous avez l'air amorti, je suis quoi? Ah, ouais. Tu vois. Et pour rebondir, pour revenir sur la ville de Charleroi, dis-toi qu'il y a beaucoup de gens qui, entre guillemets, Charleroi-Liège, c'est plus ou moins, entre guillemets, la même ville. Beaucoup de gens, tu vois, puisqu'on a, on a quand même les gens, les citoyens, les gens de Liège et même les gens de Charleroi, ils sont plus, on va dire, chaleureux, tout ça, plus, on va le sentir de toute façon, même à travers l'interview, vous allez le voir vous-même, les gens, ils sont plus chaleureux, tout ça. Donc, moi, personnellement, s'il y a vraiment une ville qui ressemble, pour moi, à la ville de Charleroi, ça reste Liège. Donc voilà, big up. Merci Gilles. Si. À bientôt. Et je get it. À bientôt à Charleroi. Si. Je te passe la carte. Merci frère. Et voilà. Salut. T'as jamais eu l'idée d'y aller? Non. Ben écoute, ça tombe bien. Donc on t'invite un jour à venir à Charleroi. On va faire une petite photo pour le montage. Voilà, on est. Vous pouvez nous aider pour se situer un peu, vu que nous on n'est pas d'ici, on est dans quelle place? Ok, on est tout près de la place cathédrale, le centre commercial en fait de la ville. D'accord. Et bah, voilà, il y a le Carré de Liège qui est très connu pour ses restaurants. C'est ça, c'est pour ça que nous on est venus jusqu'ici, oui. On a beaucoup entendu parler du Carré. Oui. Nous on vient de la ville de Charleroi, on visite un peu la ville. Et c'est ça qu'on a beaucoup entendu parler du Carré, c'est ça qu'on est venu voir ici. Je suis pas déçu, il y a quand même du monde. Il y a du mouvement. Le premier jour où il fait vraiment beau, donc c'est normal. Tout les gens profitent, ouais, mais c'est normal. Mais ça redonne le sourire dans ce monde-là. Oui. Mais sinon, vous, quels sont les bons plans, je veux dire, à part le Carré ici sur Liège? Je veux dire, quels sont les endroits assez fréquentés où est-ce qu'on pourrait faire boire un verre, comme ici, pour faire des courses, tout ça, à part cet endroit précis?
Oui, il y a le pot au lait, mais je vais vous dire avant que ce qui m'attire surtout à Liège, ce n'est pas les endroits, ce sont les gens. Je trouve que les gens sont trop très ouverts, très chaleureux, communicatifs. Et moins froid qu'à Bruxelles. Bon, Bruxelles, c'est très mélangé, c'est vrai, et on y voit Il y a beaucoup de mélange, c'est pour ça que les gens, ils sont... Ici, en fait, on dirait qu'il y a une mentalité un peu comme chez nous à Charleroi. Les gens sont ouverts, il y a beaucoup de mélange quand même, il y a quand même assez de mélange, mais même comme ça, les gens restent ouverts, et c'est accueillant, quoi. C'est pour ça que nous, on voit aussi... C'est accueillant, absolument. C'est ce qui m'a frappé toujours. Donc ici, nous, on va vous donner cette carte pour si jamais vous venez visiter notre ville à Charleroi. Il y a tous les bons plans, comme ici à Liège, à Charleroi aussi, il y a tous des bons plans. Donc si vous voulez visiter, vous pouvez venir nous faire un petit coco sur Charleroi, ça va. On va faire une petite photo pour la conclusion. D'accord. C'est la fin de journée, on est sur la place Saint-Lambert, je crois. Exact, et on est juste en face de la maison du Péquet. Franchement, on a bien fait le tour. Voilà, on a tout fait, on a visité. Il reste encore des endroits à visiter, mais ça, on vous laisse vous-même aller découvrir. Et là, je pense qu'on va aller boire un petit verre. Ben non, on va d'abord demander à un vieil ami à moi ce qu'il en pense. Tu vois. Ben vas-y, on va voir s'il a des bons points. Je t'en prie. Ok, d'accord, ça va. C'était Jean-Steven. C'était pété. On se retrouve tout de suite dans la maison du Péquet. Ah, boum! Okay. On est retourné, allez. Bon les amis, ici on se retrouve dans la maison du Péquet et on est en train de... De boire un cappuccino, vous pouvez nous insulter dans les commentaires. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a voyagé, on a plutôt visité la ville de Liège. On a été... franchement je suis vraiment content de la visite. Je suis jamais venu quand il faisait bon, moi en tout cas. Franchement, on a eu de la chance, il faisait très bon. Ouais, il y avait du monde, du soleil, on a croisé des bonnes personnes. Et ben voilà, merci d'avoir visionné cet épisode des visiteurs. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle ville. Et n'oubliez pas de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé. Dites-nous comment vous avez trouvé Liège. Et mettez un max de pouces verts, ok? Pouce bleu. Comme Ibra TV, comme il dit, pouce bleu. Allez. Pouce bleu. À très bientôt. Ciao. Pour un nouvel épisode des visiteurs. Oh, pas mal.